Étudiant à la maîtrise recherche en génie industriel, je suis passionné par l'entrepreneuriat, surtout concernant le continent africain. La famille Desmarais représente toute une fierté pour le milieu des affaires québécois. Et je suis curieux de savoir ce que représente le succès pour M. Paul Desmarais. Mon nom est Bertrand Nembo. M. Desmarais, la première question qu'on a pour vous, c'est à propos du succès. Et on aimerait savoir quelle est la définition du succès selon vous. Je vais vous dire, finalement, j'ai condensé ça dans mon esprit à deux, trois concepts. Mais le premier, c'est de construire. Mais construire quelque chose et contribuer quelque chose dans sa vie, ça amène beaucoup de succès. Puis ensuite, de le faire, je pense, avec une notion d'excellence. Quand on refait notre vie ensuite, on peut dire bien, qu'on a mis l'énergie, on a mis le travail qu'il fallait pour faire cette construction. Et ça donne un sentiment d'accomplissement. Donc, un vrai sentiment, en fait, de bien-être, en quelque part. Average is kind of out. Aujourd'hui, la compétition mondiale est telle qu'il faut vraiment viser cette excellence. Qu'est-ce qui vous pousse à vous lever tous les matins, une fois qu'on a atteint ce succès? Oui, on pose souvent cette question-là aux gens qui ont de l'argent aussi. On dit, ah, lui est riche, à quoi ça sert de travailler? Je disais à mes enfants, vous savez, qu'est-ce qui est amusant, c'est de construire une compagnie. Puis si vous construisez quelque chose, la minute que vous pensez à l'argent, vous n'allez probablement pas réussir. La minute que vous pensez à construire quelque chose puis à faire une belle compagnie qui a des vrais services, qui a un vrai rapport avec les gens, puis un rapport avec vous, vos employés, puis vous êtes une dynamique, puis que vous ne pensez pas à l'argent, vous allez avoir probablement un succès ironiquement monétaire. Alors maintenant, avec la mondialisation, je dirais que c'est encore plus le fun. Alors, je reviens à la question de Bertrand. Donc, la motivation principale, ce n'est pas l'argent, finalement. Non, zéro. Jamais penser à l'argent. Si j'ai un avis à vous donner, pensez à vos rêves, puis pensez à bien les accomplir, puis l'argent va venir. Alors, l'argent est un moyen de faire des choses. Quand on commence à en faire, puis qu'on apprend à bien l'utiliser, on peut l'utiliser comme un levier pour faire plus. Puis là, l'argent devient intéressant de ce point de vue-là. Je suis diplômée en génie mécanique de Polytechnique. Pour moi, la réussite, c'est de savoir combiner mes intérêts professionnels, artistiques, comme la musique, et relationnels. Mon nom est Florence Morin. Pensez-vous que le succès est accessible à tout le monde dans la manière dont vous l'avez défini? Oui. C'est ça qui est le fun pour moi. C'est envisageable pour tout le monde parce que tout le monde a le droit de rêver. Tout le monde a le droit de travailler. Puis je dirais curieusement que les gens qui sont fortunés ont quelque chose contre eux. C'est dangereux. Parce que si vous avez déjà de l'argent, c'est terrifiant. Parce que ou vous avez peur de la perdre, ou vous êtes gâté, ou vous n'avez pas de rêve parce que tout vous est comme donné. Puis je pense que c'est important de rêver et important d'accomplir quelque chose puis d'aller de l'avant. Donc, c'est très accès, un accès énorme aux gens. Et c'est pour ça que je crois beaucoup à l'éducation. Alors, si vous voulez avoir de l'éducation, bien, vos rêves peuvent être plus grands. Mais je connais beaucoup de gens qui n'ont pas fait de l'université, qui ont quand même accompli des rêves extraordinaires, qui ont construit des belles compagnies. Ça peut se faire, mais dans le monde d'aujourd'hui, c'est plus difficile. Je pense que l'éducation est un atout important. Et donc, dans notre société à nous, clairement, là, c'est accessible à tout le monde.